Mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue sur l'épisode 4 de notre super aventure sur Detroit Become Human. Sans plus tarder, on va commencer, je vous invite à voir les épisodes précédents pour voir ce qui s'est un petit peu passé. Let's go! Ok, d'accord, ça commence très chelou. Je pense que c'est Marcus par rapport à la fois, je sais pas si vous vous souvenez. On savait pas s'il était mort ou pas. Le pistolet a tiré un coup de pistolet. Et du coup, on se retrouve. Je pense que c'est lui, hein. Je suis pas sûr, je pense que c'est lui. Donc, on va voir directement. Alors, vision défectueuse, palais mental endommagé, très bien. Ouais, je crois que c'est Marcus. Je crois que c'est Marcus. Donc, il est très très mal en point, le garçon. On va quand même faire un petit diagnostic. Pompe de régulation à thyrium, système en mode économie d'énergie défectueux. D'accord, donc je suis totalement éclaté, quoi. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais à mon avis, pas des choses très très bien. Ok. Processeur radio, données audio endommagé. D'accord. Et enfin, donc 1, 2, 3, il nous en manque un. Qui est là. Composant de jambes gauche et droite disparu, ne peut pas se tenir debout. D'accord, donc on m'a pété les jambes. Ok. Ah, je suis mal en point. Remplacer les jambes. D'accord. Ok, ça c'est une de mes jambes, composant jambe de droite, ok. En état de marche, ah, compatible. Ben on va se mettre ça, tranquillement. Retirer. Okay. Prendre. Brancher. La jambe droite fonctionne. Ah, c'est une bonne nouvelle. Putain, si c'était aussi facile dans la vraie vie de se remplacer des membres. Ok. On va aller chercher la jambe gauche directement. Ça, j'imagine que c'est la jambe gauche. Hein. Peut-être pas. Ah, jambe de droite endommagée. Très bien. Donc, ça, c'est. Non, j'ai rien dit en fait. Pousser. C'est quoi? C'est la décharge à Android ou quoi? Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est là où on met tous les Android complètement éclatés. Mort, hein, tout simplement. Alors, traitement des composants de jambe gauche compatible. Eh ben, on va la mettre. Ah, faut rester appuyé, très bien. Il y en a un qui est vivant derrière. La jambe droite fonctionne. Très bien, on a remplacé nos deux jambes. Putain, je sais pas ce qui lui est arrivé, le pauvre. Parce qu'on n'a pas vu, après le coup de feu, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Hein. Donc, s'enfuir de la décharge. Et ben, on va faire ça. Ah, mais comment je vais pouvoir être réparé? Je suis totalement défoncé. Mon pote, t'as rien à me dire? Non, parce que lui, il est vivant. Bon, je pense qu'on n'a pas trop le temps de fouiller, là. On est un petit peu dans la merde. Ouais, ouais, c'est complètement la décharge à Android, ça. On voit un Android ici, plein milieu des... Ah! Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jericho! Il m'a fait peur, le con! Trouve Jericho. Très bien, on va trouver Jericho. Oh là 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 là, la galère. Ah, ça commence bien. Ça commence très très bien. Enfin, très très mal, plutôt. Mais très très bien pour nous, ça fait des directs de l'action. Oh là là! Mais c'est creepy as fuck! Dégagez! Me touchez pas! Bande de dégueulasse.
Aïe aïe aïe. C'est devenu un jeu de zombies. Alors, trouver une unité optique, trouver une pompe de régulation, trouver un processeur audio. Alors, bah, je pense qu'on va réussir à trouver... Ah, mon système est cassé, j'ai l'impression que je peux rien voir. Vu que je suis tout endommagé, c'est bien fait ça. Oh là 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 là, regardez. Alors, traitement des données. Unité optique, incompatible. Merde. Ah, il me manque un œil. Bah oui, c'est peut-être pour ça qu'il cherche une unité optique. Bon, on va continuer, ça marche toujours pas ça, hein. On est d'accord. Oh oui, non, ça marche pas du tout. Lui qui vient de tomber, est-ce qu'il a une unité optique? Non. Je vais pas... What? Je t'en supplie. Oh, on va le tuer, on va le tuer. Non, on va le tuer, on est obligé. Ça sert à rien, il nous l'a demandé, faut le faire. Oh, le mec, ça servait à rien qu'il vive, il était en train de souffrir. Même si c'est un androïde, ça souffre, hein. Ça souffre un androïde, hein. C'est bien fait, il y a les émotions humaines et tout, hein. Examinez. Alors, pompe de régulation à thyrium, en état de marche, on va le prendre direct. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, mais je m'en fous, allez. Non, mais désolé, non, mais au bout d'un moment, tu sers plus à rien ici. Non, j'ai des activations imminentes. Dépêche-toi. Et ils ont un cœur, hein. Je suis vraiment désolé, madame. Je suis vraiment désolé, mais là, c'était la loi du plus fort. Je suis désolé. Hein. Enfin, c'est même pas une question de loi du plus fort. C'est une question de survie, en fait. Ok, très bien. Maintenant, on va devoir trouver un œil. Donc, une unité optique. Alors, toi, là. Toi, tu bouges. Examinez. Unité optique, incompatible. Merde. Oh là 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 là, bah bienvenue avec Marcus les gars. On était mieux dans notre belle maison, j'ai envie de te dire. Ouais, oh, regarde lui, il glisse et tout. Qu'est-ce qu'on a là? D'accord, donc ça c'est... Ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est celui qui s'occupe de la décharge, quoi. Ok. Ah bah c'est bien beau, on crée des androïdes, mais après, le cimetière, il est moyen, quoi. En cours, processeur audio, incompatible. On va jamais réussir à trouver quelque chose. Faut que je trouve quelque chose, hein. Faut que je trouve absolument quelque chose, je peux pas partir de là sans ça. Hein. C'est mort. Ok, très bien. Lui, il avait rien de beau. Celui qui est par terre, là, peut-être, hein. Non, on l'a déjà vu, lui. Examiné. Traitement des données. Ah, compatible, iris bleu. Allez, vas-y, on va avoir un vert, un bleu. On s'en fout, on est Véron. On a les yeux Véron, retiré. C'est ça, un Véron, c'est comme ça qu'on dit. C'est horrible. Même si c'est des androïdes, ça reste horrible. Prendre. Hop, bah on va prendre son œil. Hein. On a retrouvé la vue.
Peut-être que mon système maintenant va marcher. Ouais, ça marche maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Trouver un processeur audio. Est-ce qu'on a quelque chose? Non. Je vais continuer d'avancer. Ah, c'est juste... c'est la face cachée, hein. Là, on est typiquement dans la face cachée des androïdes, hein. On nous fait croire que c'est bien beau tout ça à la télé, mais finalement, regardez, c'est pas si beau que ça, hein. C'est même horrible. Bonsoir à vous. Essayez de grimper. Non, non, je pars pas sans un système audio, hein. Non, 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 je vais trouver ça. Faut que je trouve un système audio. Ah, je crois qu'on a quelque chose là-bas. On a une tête là. Voilà, processeur audio compatible. Très bien, soulevé. Allez, 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 mon gars. Allez, moi, allez, tu peux le faire. Allez. Condition stable. Lourd. On a réussi à retrouver tous nos sens, si on peut appeler ça des sens. Ah ouais, ah ouais, avec le son c'est pas la même chose, hein. Gravir la porte, s'enfuir de la décharge, gravir la porte, on a rien d'autre à faire, hein. À part ça, je vérifie, hein. C'est vrai que j'appuyais pas assez sur, sur R2 dans les épisodes précédents, je vais essayer de plus le faire. Allez. Non! Ok, R1, faut rester enfoncé. L1, faut rester enfoncé. Là, on reste enfoncé aussi. Allez, allez, mon pote, allez, allez, tu peux le faire. On gravit une montagne de cadavres, c'est horrible. Merde. Merde! Non! Allez. Allez Marcus, allez mon pote. Ok, donc Marcus a enlevé sa puce. Est-ce que c'est ce qui lui permettait d'avoir des barrières et d'obéir? Est-ce que c'était son programme d'obéissance et du coup, comme il l'a enlevé, il obéira plus? Il aura une soif de vengeance envers Léo, je pense. À mon avis, c'est ça. Ok, l'enfer, 84%. Ah, j'ai pas tout trouvé. Ah, il m'en manquait 3. Ah non, mais c'était soit tué, soit épargné. Ok, d'accord. Et bah, très très glauque. Très très glauque comme première scène. Donc je pense, ouais, que Marcus, maintenant, comme lui a dit Carlito dans l'épisode précédent, il faut que tu trouves ta propre identité et ne suis pas ce qu'on te demande de suivre et tout ça. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a enlevé sa puce. Et du coup, il obéira plus. Et il va faire ses propres choix. Et à mon avis, c'est la merde. Parce que Léo, je pense qu'il va prendre cher. On verra ça par la suite. Continuons. Très bien. On se retrouve avec... comment il s'appelle lui déjà? J'oublie toujours. Connor. Trouver Amanda. Très bien.
Alors, je ne sais absolument pas où on est. C'était quoi la dernière mission avec Connor qu'on avait faite? C'était l'interrogatoire et tout ça. Donc, on se retrouve dans un petit jardin assez sympa et on doit trouver Amanda. Qui est cette Amanda? Je ne sais point. Mais, en tout cas, est-ce que je suis obligé tout de suite de faire ça? Il y a peut-être des choses à voir avant, non? Alors, attendez, on va faire un petit coup d'R2, là, pour voir. Alors, on n'a pas grand-chose. Je vais prendre ce chemin-là, je vais pas prendre directement le pont. On va se balader, on aime bien se balader dans ce jeu. Qu'est-ce que c'est? Ok, donc c'est un truc, j'imagine, on n'a pas accès parce qu'on n'a pas les bonnes... empreinte digitale, mais non, les androïdes n'ont pas d'empreinte digitale. Bref, continuons de visiter les petites hirondelles, tout ça. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Non, je continue à faire le tour. On fait tout le tour, on fait tout le tour. Je couperai s'il y a des passages qui ne sont pas intéressants. Vous savez maintenant comment je procède. J'espère qu'en tout cas ce petit let's play vous fait kiffer. Moi j'adore ce jeu. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a une tombe. C'est ça, c'est une tombe? Connor Mark. Décès au 1555 Park Avenue Détroit le 15 août 2038. Connor Mark. Il a le même prénom que nous. RK800. Mais c'est moi! C'est moi de la première mission! C'est moi de la première mission quand je suis tombé! D'accord. Donc, je suis pas le vrai Connor, du coup, si je comprends bien. À moins que j'ai pas du tout compris et que c'est carrément quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est ça. Connor RK800, c'est exactement moi. Je suis un RK800, je m'appelle Connor, donc... Après, je me rappelle pas exactement de l'adresse, mais à mon avis, c'est ça. Du coup, ils m'ont refait, et à l'identique. Et je m'appelle aussi Connor, très bien. Bon, écoutez, on a tout visité. On va pouvoir prendre ce petit pont, voir Amanda... Let's go. Donc j'imagine que c'est la madame qu'on voit en fond, Amanda. Qui est-elle? Parlez. Bonjour Amanda. Connor, contente de te voir. Félicitations Connor. Trouver ce déviant n'était pas une mince affaire. Et tu l'as interrogé avec une grande finesse. Tu as été remarquablement efficace, Connor. Merci, Amanda. Nous avons demandé à la police de nous le confier pour approfondir les recherches. Ça pourrait nous éclairer sur ce qui s'est produit. L'interrogatoire a dû être... délicat. Qu'as-tu pensé du déviant ? Traumatisme, déviance, intervention, simulation. Je pense qu'il a subi un traumatisme avec la Carlos Ortiz. Il présentait des signes de stress post-traumatique dus à ses mauvais traitements. Comme si on avait essayé de remplacer son programme d'origine par de nouvelles instructions. Le lieutenant Anderson a été officiellement assigné à l'enquête. Que penses-tu de lui? Le lieutenant Anderson, désagréable, dysfonctionnel, fascinant, pas sûr. Pas sûr, on n'est pas sûr, on sait pas trop le cerner pour l'instant. Il a une conduite plutôt déconcertante. Même, je n'ai pas encore assez d'informations pour me forger une opinion. Malheureusement, nous sommes obligés de travailler avec lui. D'après toi, quelle est la meilleure approche? Amical, adaptation, indifférence, trop tôt. On va s'adapter, il faut s'adapter à ces gens-là. Je m'adapterai à sa personnalité. Il est dans l'intérêt de l'enquête en cours que j'évite les conflits et que je tâche de me conformer à sa psychologie. De plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance. On en compte des millions en circulation. S'ils deviennent instables, les conséquences seront désastreuses. Tu es le plus avancé des prototypes que CyberLife ait créé. Si quelqu'un peut tirer ça au clair, c'est bien toi. Vous pouvez compter sur moi, Amanda. Fais vite, Connor. On manque de temps. Thank you.
Alors, cherchez le lieutenant Anderson, Hank Tendu. Allez à la réception, derrière la ligne. Bon, on va aller à la réception là où il y a personne. Hein. Parlez. Je peux t'aider ? Je viens voir le lieutenant Anderson. Tu as une autorisation ? Oui. Le lieutenant Anderson n'est pas encore là, mais tu peux l'attendre à son bureau. Ok, on va attendre tranquillement. Alors, autorisation accordée, trouver le bureau du lieutenant Anderson. Est-ce qu'on a des choses à faire ? Est-ce qu'on peut parler avec certaines personnes ? Déjà, qu'est-ce que c'est ça ? C'est... Alors, honneur, ok. Un chef host de stat, ok. Donc, c'est, j'imagine, toutes les personnes mortes à qui on rend hommage, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça ? Service, on ne sait pas, derrière la ligne, très bien. Je commence à angoisser. Ça va aller, détends-toi. Attention dans l'Arctique s'accroît une fois de plus, okay. Après la collision d'un porte-avions russe contre un navire de patrouille américain la nuit dernière. Bien sûr. Plusieurs avertissements ont été échangés entre les deux camps sans faire de victimes. Ok, va y avoir une guerre entre la Russie et les États-Unis. Très bien, le ministère de la... Hein, ok. Bonsoir, comment je fais pour trouver... Alors, on va se faire un petit coup de R2, là. On n'a rien à faire dans cette pièce. Du coup, va falloir que j'avance. Sympa. Bonsoir à tous. Ah là on a pas mal de choses à faire et je vais toutes les faire. Alors ici on a quelque chose déjà pour commencer. Donc ah tous les androïdes sont là. Miller. Ah faut regarder les noms pour savoir lequel est le bureau d'Anderson. Très bien, très bien, très bien. Ici Reed. Mm-hmm. Ici Brown. Donc ce qu'on a vu au fond là c'est tous les androïdes qui vont être futurs policiers ou négociateurs un petit peu comme moi j'imagine. Ici, Pulson. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder un petit peu tout pour savoir où il est. Collins. On a des trucs à faire ici, non? Au milieu. Toi et toi, venez avec moi. Pas du tout. Wilson. Je connais tous les noms. Ah! Là, il n'y a personne encore. Ça sera peut-être un de ces androïdes. Ici, Anderson, il est là. Ah merde, trouvé, ça c'est fait. Excusez-moi. Savez-vous à quelle heure le lieutenant Anderson arrive habituellement ? Ça dépend où il a passé la nuit. Si on a du bol, on le verra avant midi. Merci. Attends le lieutenant Anderson, mais il est quelle heure là ? S'asseoir. Explorer les bureaux, c'est exactement ce que je voulais faire, ça tombe bien. On va explorer, faire avancer l'enquête, aller voir le déviant et deux choses qu'on n'a pas encore trouvées. Alors ici, est-ce qu'il nous reste des choses à faire? Déjà, il nous reste des choses à faire par rapport au bureau du lieutenant. D'accord, du heavy metal dark. Ok. Donc on connaît les goûts musicaux du lieutenant Anderson. Appeler. Non, on va pas faire ça maintenant. J'ai peur que ça nous démarre dans une cinématique. Je ferai ça après. Est-ce qu'on a d'autres choses à faire? Donc là, il nous reste appeler. Y a autre chose à faire. Hein. Appeler et analyser. Voilà, ça je vais le faire par contre. Ouh, 8 indices à trouver. Très bien. Slogan anti-android. Utilisez votre cerveau, pas votre android. Zone interdite aux androïdes. D'accord, donc il déteste les androïdes. Je pense qu'on a pu le voir déjà la première fois qu'on l'a rencontré. Ici, casquette de basket Détroit. Coton, très bien. Donc il aime bien le basket. Ok, se documenter sur le lieutenant Anderson. Why? La police Détroit démantèle un réseau de distribution de Red Ice. Ok, plus de 50 arrestations ont eu lieu à travers tout le pays. La force des polices de Détroit ont porté un coup au trafic florissant de Red Ice. Donc c'est la drogue qu'utilise Todd. Vous vous souvenez, le père de la petite fille est dans la famille où est Kara. Voilà. 500 000 $ de marchandises, très bien. Ensuite, on a quoi? L'inspecteur Anderson promu au rang de lieutenant. Ok, le plus jeune lieutenant de la police de Détroit. Pouh, bien joué mon gars, très bien. Et nouvelle saisie record de Red Ice à Détroit. Putain, il y en a partout de ça. Hein. Après des mois d'enquête, le lieutenant Anderson de la police de Détroit a découvert plus d'une tonne de Red Ice dans la cale d'un navire. Eh bah putain, bien joué. Il est fort ce lieutenant.
Ok, on s'est documenté, c'était pas un indice. Ici, allumette, origine, Jimmy's bar, bois, phosphore, très bien. Peut-être qu'il fume, bah je crois qu'il fume, on l'a déjà vu en plus. Cellule spéciale Red Ice, unité interdépartementale, je vais y arriver, responsable du démantèlement du réseau de trafiquants de Red Ice en 2028. Real Police, ok, donc ça c'était tous ses collègues. Ça on l'a déjà vu? Ouais, on l'a déjà vu. Poil, poil de chien, Saint Bernard. D'accord, il a un chien. Très bien. Tout ce qu'on sait sur lui peut être intéressant. Donuts. Bah, hein, le petit cliché des flics américains, on connaît. Ça, c'est un banzai. Érable du Japon. Asiatique. D'accord. Ici, tasse de café, café froid, trace de caféine. Ok, bon, je pense pas que ça va nous importer grand chose. 8 sur 8 analysé. Très bien, on a tout vu, on va pouvoir dégager. Le lieutenant Anderson était un officier décoré. Je suis content de vous retrouver, lieutenant. Oh, bordel. Hank! Dans mon bureau! Ok, explorer les bureaux, écoutez, entrer. Ah! On a le choix! Non, je préfère explorer les bureaux pour l'instant, j'ai pas fini de faire ça. Déjà, on en sait plus. Donc, ah, quoique, peut-être écouter, ça pourrait me donner des infos, mais après, Hank, il serait vénère contre moi, donc la suite pourrait être plus dure. Donc, je vais continuer à explorer. Lire. Oh! C'est mort d'un célèbre peintre. C'est Carlo! C'est Carl! C'est Carlito! Mort d'un célèbre peintre K1. Une des lumières de Détroit s'éteint. La police a confirmé la mort du célèbre artiste. Ben oui, on l'a vu. Hein, son fils Léo a demandé aux médias de respecter la vie privée de la famille en cette période de deuil. L'enfoiré, Karl Manfred avait accepté la notoriété dans les années 2020 en tant que chef de file du néo-symbolisme. Ok, est-ce qu'on sait quelque chose par rapport à l'androïde? Ça est suivi des années prospères. Hein. Non, il n'y a rien qui parle de Marcus. Très bien. Je voulais voir si on parlait de Marcus ou pas. Alors, explorer les bureaux. Non, non, je vais pas écouter. Hein. Je vais pas... Enfin, quoique ça me donne envie, mais je pense que ça pourra me jouer des tours par la suite. Ah, là-bas. Ah, c'est bien la police, hein. Ah ouais, 2038, je ferais bien policier, moi. Excusez-moi, je fais beaucoup R2, c'est parce que j'essaye de me repérer. Donc ça, c'est les chiottes, ça. OBS Room. Et ben, on va aller là, tiens. OBS. C'est des streamers, c'est ça? D'accord, donc là on a un interrogatoire. Room in news. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Absolument rien à faire ici. Ah, mais c'est le déviant, non? C'est lui ou c'est pas lui? Je sais pas. Bon, de toute façon, on a rien à faire ici, donc on va sortir. Room 1, je pense qu'on peut pas y aller, il y a un interrogatoire en cours. On va aller bah, aux chiottes. Ça me sert à quoi d'aller aux chiottes? À part se regarder dans le miroir. Pas beau gosse. Ah mon pote, la petite cravate, tout ça mon gars. Tu le sais que t'es beau gosse. Très bien. Ok, je suis en train... J'ai l'impression que je fais n'importe quoi là. Ok, on a exploré ici, on confirme qu'il n'y a plus rien à faire. Explorer le commissariat. Bon, on va essayer de voir autre chose. Hein. Ce qui est con, c'est qu'on peut pas courir. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Bonsoir à vous. Donc ça, c'est les nouvelles cellules. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Reste tranquille. Tu regardes quoi comme ça? Je te regarde toi, mon pote. Je te regarde toi. Vas-y, viens. Le mec, il fait le fou parce qu'il est derrière les barreaux. T'sais. Enfin, les barreaux, entre guillemets. Allez voir Hank. Et là, on a notre déviant. Ok. Faudrait peut-être le changer au bout d'un moment, non? Ces gens vont me détruire. Sincère, insensible, compatissant, indifférent. Sincère, on est sincère entre androïdes. Probablement, oui. Ils vont analyser tes biocomposants. On a besoin de comprendre ce qu'il s'est passé. Je sais que tu me caches quelque chose. J'ai besoin de savoir avant qu'il t'emporte.
Statuette. La sculpture que tu as faite. Parle-moi un peu d'elle. Je vais mourir. Bah mon pote, fallait réfléchir avant, hein. Le déviant ne répond pas. Fuck! J'ai peut-être... j'aurais pas dû être sincère, je lui ai fait peur. J'aurais dû être compatissant. Fuck! Merde! Les choix pourris. Ouvrez la cellule, vite! Allez! Ok, d'accord. Il sait qu'il va mourir, il veut se tuer avant, quoi. Bah voilà, c'est fait. Je vais appeler Cyberlife. Nettoyez-moi ce bazar. Putain, j'ai mal joué, je suis sûr que j'aurais pu obtenir des informations. Maintenant, j'en aurai plus jamais. Je vais devoir me renseigner tout seul sur la statuette et RA9. On se souvient qu'il nous avait dit, la vérité est à l'intérieur. La vérité est à l'intérieur, peut-être à l'intérieur de la statuette. J'y ai réfléchi, et je me dis, peut-être à l'intérieur de la statuette. Bref, il y a un truc que j'ai pas fait, que je vais faire. Ah, Hank, il est là, du coup, j'ai pas écouté, ok. Bah, je vais aller voir Hank, il y a un truc qui est cadenassé. On verra après, je pense. Alors, compréhensif, pragmatique, constructif. Constructif, nous, on est constructif. C'est un honneur de travailler avec vous, lieutenant. Je suis sûr que nous ferons une bonne équipe. Partenaire enthousiaste. Peut-être pas partenaire, parce que c'est peut-être pousser un petit peu le bouchon, vu qu'il nous aime pas trop. Enthousiaste, on peut essayer. Hein. Quoi qu'il en soit, sachez que je suis très heureux de travailler avec vous. Je suis sûr que nous ferons une bonne équipe. Partenaire, bureau. Ça fait deux fois qu'il me propose partenaire. Bureau, je sais pas ce que ça pourrait être. Bureau. Peut-être me trouver un bureau ici. Ouais, mauvais délire. On va essayer partenaire, je suis pas hyper sûr de ce qui va se passer. Maintenant que nous sommes partenaires, nous devrions faire plus ample connaissance. Bureau. Y a-t-il un bureau de libre pour moi? Celui-là est pas occupé. Ok, donc on voit que ça le met en joie d'être partenaire avec nous. Hein. Analyser les fichiers, j'ai pas pu lire, il y avait écrit quoi? Analyser les fichiers sur la déviance. Très bien, donc ça doit être sur mon bureau, j'imagine. Allez. Mais. Alors, chien, basket, musique, haine des androïdes. Ah, par rapport à lui. Chien, on s'en fout, basket, moi ça m'intéresse personnellement, musique. Non, on va plutôt voir pourquoi il déteste les androïdes, je pense que c'est le plus intéressant. Il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas la présence d'androïdes. Je me demandais, y a-t-il une raison en particulier pour laquelle vous me méprisez? Ouais, il y en a bien une. Merde, on va lui parler des choses qu'il aime bien. Ok, on va lui parler des choses qu'il aime bien, genre son chien, je pense que les Américains aiment beaucoup leur chien. Vous avez un chien, n'est-ce pas? Comment tu sais ça? Les poils de chien sur votre siège. J'aime les chiens. Comment s'appelle votre chien? Qu'est-ce que ça peut te faire? Sumo. Il s'appelle Sumo. Ok, on va lui parler des choses qu'il aime bien, ça a l'air bien. Fowler, qu'est-ce que c'est? Heure d'arrivée? Non, on va continuer sur les trucs qu'on a déverrouillés. Basket, allez. Vous êtes fan des Gears de Détroit? Denton Carter a marqué 53% de ses paniers de derrière la ligne des 3 points hier. Avez-vous vu le match? J'étais en train de le suivre au bar hier soir. Oh. Ah oui, donc c'était hier soir qu'on l'a... Qu'on l'a fait chier. Est-ce que ça serait pas le moment de me mettre au travail? J'ai l'impression qu'on le saoule un petit peu. Fowler, heure d'arrivée, tout ça. Je sais pas trop ce que... On va se mettre au travail. Si vous avez des fichiers sur les déviants, j'aimerais les consulter. T'as un terminal sur ton bureau. Fais-toi plaisir.
Ok, bon bah, on va enchaîner sur musique. Vous écoutez le groupe Knights of the Black Death ? J'aime beaucoup cette musique. Elle est tellement dynamique. T'écoutes du heavy metal, toi ? Eh bien, je n'écoute pas la musique à proprement parler. Mais j'aimerais bien. Ok, la musique, ça lui fait plaisir. On va continuer, tu sais quoi, on va faire toutes les possibilités. J'espère qu'il va pas péter un plomb. Fowler, je sais pas ce que c'est. Connaissez-vous le commandant Fowler depuis longtemps ? Ouais. Trop longtemps. Et enfin, heure d'arrivée, je suis pas sûr que ça va le mettre en joie, hein, mais on va essayer. Je me demandais, arrivez-vous toujours au travail à cette heure-ci, lieutenant ? J'arrive quand j'arrive. Viens pas me casser les burnes, ok ? Voilà, bon, ce qui était normal, hein, on s'y attendait un petit peu. Ok, alors, disparu. Victime Gordon Lopez, officier responsable, très bien, affaire confiée à lieutenant Anderson, donc c'est à lui, statut 1. Oui, le plaignant affirme avoir laissé son androïde chez lui en partant travailler, comme d'habitude. À son retour, l'androïde avait disparu. Aucun signe d'effraction n'a été constaté dans l'appartement. L'androïde pourrait avoir quitté le domicile sans en avoir reçu l'ordre. Ouh là là. Ah oui, il y en a plein, d'accord. Suspect, ok. Le plaignant affirme avoir été attaqué par un androïde de modèle AV500. Employé comme serveur dans le restaurant Fast Coney Dog situé au 842 avenue Chamberlain. D'après le plaignant, l'androïde se serait subitement jeté sur lui et aurait tenté de l'étrangler avant de s'enfuir. L'androïde est toujours en cavale, très bien. Le plaignant affirme avoir été agressé par son androïde AP700. L'androïde a également saccagé plusieurs pièces de la maison avant de prendre la fuite. Ok, donc c'est une femme pour une fois. Ah, une autre femme disparue. Ouh, analyser tous les dossiers carrés. Ah, on pourrait faire ça, ouais, au lieu... Le plaignant directeur a signalé des disparitions inexpliquées de l'hôtesse Android du modèle, ok. L'Android a disparu après avoir accompagné un client à son domicile et n'est jamais revenu au club. Ok, c'est un kidnapping. On va analyser tous les dossiers. 243 dossiers. Les premiers remontent à 9 mois. Tout a commencé à Détroit et ça s'est répandu dans tout le pays. Apparemment, un homme aurait été agressé par un AX-400 hier soir. Ça pourrait être un bon point de départ pour notre enquête. Direct, agressif, professionnel, compréhensif. Professionnel. Je sais que vous n'avez pas réclamé cette enquête, lieutenant. Mais je suis sûr que vous êtes un professionnel. Ça ne dirait pas d'aller te faire foutre. Se retirer de l'enquête, menacé, déterminé. On va pas se retirer. Mais c'est compliqué, hein, c'est compliqué. On m'a confié cette mission, lieutenant. Je ne suis pas venu ici pour attendre que vous ayez envie de travailler. Écoute-moi bien, connard. Si ça tenait qu'à moi, je vous jetterais tous dans une benne à ordures. Et j'y voudrais le feu direct. Alors arrête de me les briser, ou tu vas t'en prendre plein la gueule. Lieutenant ? Désolé de vous déranger. J'ai des informations sur l'AX-400 qui a agressé l'homme hier soir. On l'a aperçu dans le quartier de Rivendell. Je m'en occupe. Ok, à mon avis, je prends pas la bonne approche. Ok, très bien. Connaître son partenaire. Alors, Hank a trouvé une piste, on aurait pu ne pas avoir de piste, j'ai l'impression, si je m'étais retiré de l'affaire. Je pense que c'est ça. J'étais déterminé, heureusement que j'ai choisi déterminé. On voit que instabilité logicielle, donc non. Hank tendu, bon, il est toujours tendu. J'ai pas l'impression d'avoir la bonne approche avec lui. Amanda, confiance, ok. Opinion publique sceptique, très bien. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Hier, c'était un épisode assez long, donc là, on va s'arrêter là. On reprendra... dans 2 jours, vous savez, tous les 2 jours, j'essaye un maximum de faire ça tous les 2 jours, un nouvel épisode. J'espère que celui-là vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, prenez soin de vous. A plus les gars, ciao.